Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Loïc, utilisateur avancé de Midjourney depuis plus d'un an et demi, et je suis aujourd'hui dans les locaux de SpeedEasyCom pour vous présenter une formation qui vous fera passer d'un niveau de débutant à un niveau de confirmé dans l'utilisation de cet outil. Allez, c'est parti. Donc, Midjourney, qu'est-ce que c'est? Midjourney est une intelligence artificielle qui génère des images à partir d'un texte qu'on appellera un prompt, c'est-à-dire que simplement vous écrivez un texte qui correspond à l'image que vous voulez créer, et Midjourney, l'intelligence artificielle, analysera ce texte et créera le design en fonction. Donc, vous êtes sur la page d'accueil, vous allez pouvoir créer votre compte via Discord ou via Google, et après choisir un plan. Donc, un plan payant, Midjourney étant payant, à 10 $ par mois, vous avez environ 200 images à générer, ce qui vous permettra déjà d'utiliser en profondeur l'outil. Midjourney n'était accessible que par Discord, avant de pouvoir maintenant l'utiliser via leur site internet. Et l'interface sur le site internet étant devenue extrêmement qualitative, cette formation portera sur l'utilisation du site internet de Midjourney. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. A few moments later. Bienvenue sur la page d'accueil du site de Midjourney. On va un petit peu explorer toutes les catégories et après je rentrerai dans la création des premières images. Donc, vous avez sur la page d'accueil toutes les créations faites par les utilisateurs de la communauté. Donc, ça vous permet un petit peu de voir ce qui est possible de faire et quels sont les designs magnifiques qui peuvent s'offrir à vous. L'intérêt, c'est également de pouvoir cliquer sur n'importe quelle image et de voir un petit peu le prompt qui a été impulsé pour avoir ce rendu. Dans la partie Create, c'est votre cockpit de création des designs. C'est ici que vous allez écrire en haut le texte pour générer vos images et vous allez trouver un tas de petites options pour pouvoir les personnaliser. Dans Organize, vous allez trouver l'intégralité de vos créations et vous avez la possibilité de les liker et de les ranger dans des dossiers afin de les retrouver plus facilement ultérieurement. Personalize va être la possibilité déjà de gagner des crédits gratuits. Puisque vous pouvez noter des images. Donc Midjourney vous propose deux images et vous choisissez celle que vous préférez. Au bout d'un certain nombre d'images, si vous êtes parmi les premiers rankers du jour, vous pouvez gagner jusqu'à 1 heure d'utilisation gratuite de Midjourney. Il y aura également, à terme, pour tout le monde, la possibilité de unlock la personnalisation, ce qui vous permettra en fait en notant des images, de créer en parallèle un style qui vous est propre et de pouvoir par la suite l'impulser dans vos designs. Dans Edit, vous allez retrouver la partie souscription de plan. Et ça vous permettra soit de vous désengager si vous l'utilisez plus, soit de passer sur quelque chose de supérieur si vous l'utilisez beaucoup. Et enfin, Midjourney a également créé une partie chat afin de retrouver un petit peu comme sur Discord l'échange de la communauté sur leur création. Donc c'est très bien aussi. Je vous laisserai aller explorer cette partie-là. Je propose tout de suite de passer dans le vif du sujet en allant dans la partie Create et en commençant à rentrer notre premier prompt. La partie Create, on va commencer à écrire une idée d'image. On va faire par exemple très simplement un chat blanc, puisqu'il n'est pas inconnu qu'Internet est le royaume des chats. NONI! Bleu. Alors, là, on va faire un prompt extrêmement facile. Donc, on va commencer du plus simple, très basique, et on va augmenter un petit peu avec les détails qui seront présents dans le texte pour voir un petit peu comment l'IA se comporte et quels sont les changements au niveau de l'image. Je vais les copier là, je vais laisser le générer, et si jamais ça prend un petit peu de temps, je vous accélérerai tout ça. On passe tout de suite au résultat. Allez. Donc dans le premier image, on a fait quelque chose de vraiment très très simple. Un chat, voilà, un simple chat avec des yeux bleus. Dans le second image, pour la seconde image, j'ai rajouté quelques détails afin de voir comment l'IA va pouvoir gérer ces modifications. Finalement, le temps que je vous le présente, c'est devenu extrêmement rapide. Donc, vous avez déjà les premiers résultats. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a une différence, par exemple, entre le chat avec des yeux bleus très simples et le chat avec des yeux bleus profonds.
Voilà, l'intelligence artificielle va travailler sur les détails que vous lui donnerez pour coller au maximum au résultat que vous attendez. Un bon prompt est composé d'un certain nombre d'éléments que je vous ai mis ici. Donc notamment 5 ou 6 éléments. Donc ils vont aller du style, du contexte, le sujet, l'action qui est en train de réaliser le sujet, l'atmosphère générale de l'image, que vous voulez qu'il se dégage de l'image, l'aspect ratio qui va être concrètement le format. Vous connaissez tous le format cinéma 16/9. Ben voilà, l'aspect ratio gère ça. Et il y a plusieurs formats impulsables dans les prompts de Midjourney. Et ou la prise de vue. Vous pouvez très bien demander à Midjourney d'avoir un wide shot angle, c'est-à-dire vraiment une prise de vue avec un angle large. Midjourney comprenait mieux avant l'anglais. Aujourd'hui, vous pouvez lui parler en français. Les résultats sont tout à fait similaires. Donc, je vous ai créé un petit exemple de prompt ici, assez complet, qui reprend vraiment tous les éléments qui doivent être présents dans un bon prompt. Et on va voir un petit peu le résultat qui va être obtenu avec ça. Je vais également garder ce prompt pour une deuxième génération, puisque je vais vous montrer un petit peu la différence avec les options qu'on peut avoir. Donc, quand vous cliquez sur la partie droite de cette barre de prompt, vous allez avoir un certain nombre d'options qui s'ouvrent à vous. Donc, l'image size, ça va être la possibilité de modifier le format de l'image. Donc, c'est ce que je disais pour l'aspect ratio. Mais ici, vous pouvez très bien avoir simplement un portrait assez classique, 3 sur 4, ou un landscape pour, par exemple, les paysages. Donc, 4, 2,3. Ça, c'est l'aspect ratio. C'est ce que vous avez retrouvé dans le prompt précédent sous la forme de deux tirets AR et ces chiffres-là qui donnent la largeur et la hauteur de l'image. En dessous, le modèle, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le mode, la différence entre le mode standard et le mode RAW est que dans le mode RAW, l'IA va moins interpréter les choses et vraiment se cantonner à ce que vous avez écrit. Voilà, il y a beaucoup moins de liberté sur la création de l'outil. Dans la partie esthétique, vous allez retrouver Stylization. Donc c'est la possibilité de faire varier ce curseur entre 0 et 1000 et de laisser un petit peu une liberté à l'IA d'améliorer naturellement les images qu'elle crée avec son expérience, on va dire, et avec son savoir-faire à elle. La partie weirdness, weird en anglais c'est bizarre, donc ça va ajouter un petit peu de bizarre dans vos images. Donc c'est un curseur qui peut se régler entre 0 et 3000 et qui va rendre vos images, par exemple, si vous faites une image d'Halloween, ce curseur va être extrêmement important. Donc pour l'exemple, on va laisser vraiment quelque chose de très très haut. Dans le stylization, on va pas tout de suite se servir de la partie weird. Et enfin, dans la partie variety, c'est ce que vous retrouvez sous forme de chaos sur l'option chaos sur Discord. La partie variety va permettre à l'intelligence artificielle d'halluciner un petit peu sur ce que vous lui avez demandé et de prendre certaines libertés, de rajouter des éléments un petit peu aléatoires. Donc là, je vais vous le montrer. Du coup, je vais envoyer le prompt précédent avec une stylisation assez élevée. Et après, j'enverrai un autre prompt avec, à l'inverse, une variety assez élevée. Allez, on essaye tout de suite. Donc voilà pour celui-là. Je recopie le prompt une fois. Je vais mettre le stylize à 0. Et là, je vais le laisser halluciner beaucoup. Donc il y a, avec un chaos variety à 100, donc voilà, ce paramètre se règle entre 0 et 100. Avec un paramètre à 100, on risque de plus avoir une image qui ressemble du tout à ce qu'on a demandé. Allez, je vous retrouve très vite pour les résultats et pour commenter tout ça. Les quatre dernières images ont été générées, donc on va balayer un petit peu les quatre premiers prompts du coup qu'on a impulsés dans Midjourney et on va voir un petit peu la différence. Donc on reprend vraiment sur ce chat aux yeux bleus très simple. Donc voilà, Midjourney fait vraiment quelque chose de très très simple. Par défaut, Midjourney, quand vous n'avez qu'un élément et très peu de contexte, va prendre plutôt un angle assez serré sur l'image qu'il veut représenter. Contrairement au chat sur le canapé qui est juste au-dessus, voilà, déjà là, l'angle de l'image est beaucoup plus reculé et beaucoup plus large. Donc au-dessus, on s'est un petit peu amusé, hein, on a créé un chat donc, qui joue au basket dans la rue, mais avec vraiment tous les éléments qui sont nécessaires pour un bon prompt.
mais sans aucune option de Midjourney. Au-dessus, on voit bien la différence donc, entre ce premier prompt qui a été impulsé sans option et ce deuxième prompt qui a été impulsé avec un stylize de 950, donc ce qui est quasiment au maximum de ce que peut produire l'intelligence artificielle en termes d'amélioration de résultats. Et on voit bien que bah oui, le résultat est sans conteste bien plus qualitatif que l'image précédente. Et enfin, le même prompt, mais avec le chaos, la variety poussée assez haut, voilà, ben, donc ça dénature totalement le prompt qu'on voulait avoir initialement, puisque ben, on retrouve même plus le ballon de basket et là on retrouve même plus le chat. Donc voilà, cette partie KO est vraiment à utiliser avec modération. Souvent je dépasse jamais les 30 sur 100. Et avec ces images un petit peu générées, on va se plonger dans les fonctionnalités avancées. Donc, dans les fonctionnalités un peu plus avancées, une fois que vous avez généré donc Midjourney, créez les images par 4, par 4 résultats. Donc, vous pouvez après aller cliquer sur chaque image et aller retrouver des options supplémentaires. Donc, sur la partie droite, vous avez Creative Action avec More Options. Je vous conseille de tout activer pour toujours avoir tout à disposition. Donc, plusieurs choses sur ces. Sur ces boutons-là. Donc, on va passer un peu aux options des images une fois que vous avez généré un premier résultat. Donc, bon, Midjourney génère toujours 4 résultats par prompt et vous les affiche comme ça. Vous pouvez sélectionner une seule des images qui a été générée. Donc, par exemple, bah, on va dire celle-là étant ma préférée, parce que je la trouve extrêmement réussie. Donc, vous allez avoir plusieurs choses sur la partie droite de l'écran. Donc en haut, on retrouve le prompt qu'on a impulsé. Et sur la partie droite en bas, dans Creative Action, vous avez More Options. Donc déjà, je vous conseille de cliquer sur More Options et de tout valider afin d'avoir tout le menu disponible. Et je vais détailler un petit peu les actions qui sont possibles avec ce menu-là. Donc, en dessous de Creative Action, vous avez la partie Vary de deux façons, Vary Subtle and Vary Strong. C'est la possibilité en fait de demander à l'intelligence artificielle de régénérer une série de 4 résultats basés sur l'image que vous avez choisie. Donc soit en se rapprochant un petit peu du résultat que vous avez déjà eu et en faisant des légères variations, soit en faisant des variations très fortes pour changer du tout au tout le résultat que vous avez eu. Donc on va cliquer sur les deux, comme ça on pourra voir la différence de ces deux options. En dessous, vous avez Upscale. En fait, les images de Midjourney, donc quand elles vous génèrent 4 images, elles ne sont finies qu'à 90%. Là, par exemple, voilà, vous avez une image finie à 90%. Si je veux vraiment avoir le 100%, je peux cliquer sur Upscale. De la même façon que Vary, vous avez Subtle ou Creative. Subtle va essayer de garder bah, la même image et juste d'améliorer la qualité. Donc vous avez des images qui après montent jusqu'à 7 MO, 10 MO et qui sont en très bonne qualité. Et la partie Creative va non seulement améliorer la qualité de cette image, mais va également essayer de l'améliorer et de peaufiner certains détails. Attention, des fois l'option Creative dénature un petit peu l'image que vous vouliez et on n'est pas toujours satisfait du résultat. En dessous, on va passer à Remix. Remix est une variante de Vary, d'accord? Mais Remix permet de retaper un prompt avant de renvoyer la demande de modification. Donc, par exemple, dans Remix, bah là, on va dire que c'est un chien, d'accord? Et ça sera plus un chien, ça sera pas un chien blanc, ça sera un chien marron. Angora avec des yeux verts. Profond. Habillé en costume. Et jouant avec un ballon de football. Voilà, comme ça on a bien. On va changer un petit peu l'atmosphère aussi, comme ça on verra vraiment la variation de ces plusieurs choses. Et là, on va se donner allez, des envies de panorama. Donc panorama, l'aspect ratio d'un panorama est 4 sur 1. On va laisser le stylize.
puisque ça avait donné un bon résultat. Et on va renvoyer le prompt comme ça en remix. J'y reviendrai après. Je vais juste finir un petit peu sur cet exemple. Donc avec les pannes, Pan est un outil génial qui vous permet en fait de prolonger l'image dans la continuité, soit à gauche, droite, haut ou bas. Donc par exemple, si je veux que Midjourney imagine la partie au-dessus de ce chat, pour par exemple avoir un peu plus de visibilité sur la ville et donner une espèce de hauteur à l'image, donc je vais faire un pan vers le haut et je vous montrerai le résultat en suivant. En dessous, on va avoir zoom, ça va être la possibilité d'avoir un agrandissement de l'image, de dézoomer en arrière. Donc l'IA va après inventer tout le contour qui manque à cette image. Voilà, on va par exemple faire un zoom x2 aussi pour voir un petit peu le résultat. Ici, mort, on va pouvoir rerun, c'est-à-dire tout simplement renvoyer le script tel qu'il a été. Les résultats vont être similaires, mais bon, peut-être qu'il y aura un des résultats qui vous plaira un peu plus. Et après, on va passer à la partie editor. Donc ça, j'y reviendrai juste un petit peu plus tard, après avoir vu un petit peu sur ces premières options quels ont été les résultats. Mais la partie editor va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la création de l'image. Et enfin, en bas, vous avez use. Ça va être la possibilité d'utiliser l'image qui a été créée. Donc soit en use image style ou prompt, ça veut dire que vous allez réutiliser cette image soit comme image de référence pour amener l'IA à faire une image similaire, vous lui donnez cet exemple pour qu'il puisse se rapprocher du résultat souhaité. Vous allez pouvoir utiliser la partie style si vous voulez ne serait-ce que garder l'aspect artistique de l'image, c'est-à-dire on oublie ce chat avec ce ballon de basket, par contre on voudrait éventuellement retrouver cette partie un peu peinture photo et réaliste sur une autre image. Donc là on va garder le style par exemple, si je clique sur style, en fait il va mettre là-haut l'image en demandant sur la prochaine génération à garder un petit peu ce style-là. Et enfin prompt va être la possibilité de reprendre le prompt de l'image et soit de le renvoyer comme ça, soit de le modifier un petit peu. D'accord? Allez, on va pas tout de suite passer aux résultats qui ont été générés. Donc nous étions partis de cette image-là. Et donc nous avons fait une première variation. Donc ça c'était la variation subtile, et au-dessus la variation un peu plus forte. Vous voyez que dans la variation subtile, la position du chat ne change pas. Voilà, c'est vraiment quelques détails très très légers qui vont être modifiés. Et au-dessus par contre, vous avez une variation effectivement un peu plus importante. Le chat va changer de position, des fois il change d'expression, et voilà, il va avoir des éléments en plus ou en moins. Mais voilà, ça reste dans le même aspect, mais avec des variations un peu plus fortes. Dans la partie upscale, donc ça c'était l'augmentation de qualité de l'image, donc de deux façons, donc soit subtile, soit un peu plus forte. On voit que la subtile, il a simplement augmenté la qualité de l'image, et on voit que dans l'upscale creative, il a un petit peu retravaillé les poils du chat, il a un petit peu retravaillé la bouche, voilà, et le regard aussi un petit peu, les yeux sont pas les mêmes. Mais bon, moi je préfère de ce qui a été fait là, la partie où il s'est tenu à simplement augmenter la qualité de l'image qu'on avait déjà bien aimé auparavant. Ici, alors ça s'affiche mal puisque l'image a été totalement déformée. Alors ça c'est les joies du direct. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah si, puisque je lui ai demandé exactement de me refaire la même image en panorama. Donc l'intelligence artificielle est bête et disciplinée. Et donc du coup, a recréé ce chat, mais a étiré l'image sur un panorama. Ce qui était peut-être pas finalement, c'était pour vous montrer l'option panorama, mais c'était pas l'endroit le plus adapté. C'est pas très grave. Derrière, on a fait un pan, donc c'était la possibilité d'imaginer l'autre morceau de l'image. Donc par exemple, l'image, on a pris l'exemple du pan vers le haut, et voilà, la rue s'est augmentée. Et je vais même en faire un deuxième parce que je trouvais que c'était plutôt sympathique. On va donner vraiment cette option de grandeur. Et enfin, en dessous, là, le temps que le deuxième pan se forme, on avait fait aussi un zoom, mais on voit bien la différence donc entre cette image où simplement le haut a été inventé et où là, les quatre côtés ont été ajoutés. On en voit beaucoup plus sur la rue, voilà, on voit beaucoup plus de choses, plus de détails, et ça permet de dézoomer au fur et à mesure pour avoir un rendu un peu différent. Et voilà,
Voilà, un petit pas de bonus pour avoir vraiment cette impression de hauteur dans l'image. Fonctionnalité un petit peu plus avancée. Du coup, ça va être la possibilité d'utiliser des images en entrée, en plus du prompt, pour influencer Midjourney dans la génération du résultat. Donc, je suis allé chercher une image sur Internet, très simple. Une image un peu 3D du coup d'un rhinocéros, alors qu'il était en point à vif, que je suis allé sur internet sur Conversio par exemple pour l'avoir en PDF. Allez, on va regarder une technique un peu plus avancée de prompt où on va se servir d'images pour nous aider à avoir un résultat souhaité. Donc très simplement, quand je suis dans la barre de prompt et que je clique sur cette petite icône, j'ai la possibilité d'aller chercher des images téléchargées sur internet et de les réutiliser. Donc par exemple, je suis allé chercher ce petit rhinocéros sympathique et libre de droit. Du coup, il est en point à vif, Midjourney ne reconnaît pas ce format-là. Donc je suis allé sur Conversio tout simplement et je l'ai modifié en JPG pour pouvoir récupérer mon petit rhinocéros lisible par Midjourney. Donc, dans les fonctionnalités avancées, une fois que vous avez fait ça, par exemple, si j'avais voulu avoir des informations sur le prompt à rentrer pour avoir par exemple le rendu du rhinocéros, je peux cliquer sur le petit point d'information et Midjourney va analyser l'image et va me donner un petit peu les éléments qu'il faudrait retrouver dans le prompt pour avoir un résultat similaire. Donc, alors, il les donne en anglais. Si jamais on a toujours la possibilité de cliquer dessus et d'aller les traduire pardon, dans DeepL pour savoir ce que ça veut dire. Mais donc, sinon, voilà, il vous donne un tas de mots-clés où vous avez simplement à cliquer dessus pour pouvoir avoir des éléments qui ressemblaient à ce rhinocéros. Maintenant, ce rhinocéros en fait va surtout nous servir voilà, de base. Donc de base d'image pour le prompt de Midjourney. Et par exemple, moi ce que je voudrais, c'est un rhinocéros sportif qui court dans la jungle. Allez, comme d'hab, j'envoie le prompt et je vous montre le résultat en suivant. Alors, on se retrouve. On se retrouve pour les résultats générés de notre rhinocéros. Donc on voit bien que du coup l'image a bien pris. Et donc Midjourney a recréé une sorte de rhinocéros un peu anthropomorphique qui court dans la jungle et qui a un petit peu la même tête que le rhinocéros qu'on a mis en entrée. D'ailleurs, là je vois qu'il y a une petite erreur. Il a créé par exemple une image, enfin un bout de chaussure en trop qui n'a rien à faire là. Et il manquerait un bras peut-être à ce rhinocéros ici. Donc c'est tout l'intérêt par exemple d'aller venir ici et de faire un varistrong pour lui demander de régénérer les images et de le faire varier. Donc il va essayer de Midjourney de refaire l'image correctement. Chaque fois que vous régénérez les images, il essaye toujours de toute façon d'avoir le meilleur rendu possible. Donc on voit tout de suite les résultats ici, et donc là effectivement il a refait un petit peu le rhinocéros donc avec tous ses bras et tous ses jambes et pas de petites baskets qui dépassent dans l'image et qui n'auraient rien à faire ici. On est de retour dans la partie explore puisqu'on va un petit peu aller piquer des styles dans la communauté pour pouvoir l'impulser sur nos propres prompts. Alors on va aller trouver quelque chose qui est plutôt sympathique. Alors pas en termes d'image, simplement en termes de style, en termes de rendu artistique. Par exemple, quelque chose que j'ai bien bien aimé. Alors qui est sorti un peu plus loin. Là on voit vraiment tous les trucs. On est de retour sur la page d'accueil de Midjourney et on va utiliser une autre technique donc qui est sur Discord, la partie SREF, c'est Style Reference, qui va être la possibilité en fait de récupérer un style d'une image qui existe déjà. Donc pas du tout l'image, mais simplement le rendu artistique de cette image. Donc très simplement, vous cliquez sur une image et vous cliquez sur Style et il va mettre ça dans votre prompt. Après, vous tapez encore une fois ce que vous voulez, comme par exemple toujours ce bon vieux chat blanc
qui se balade dans la forêt. Dans la forêt. Et on va pouvoir voir ça. Juste une précision, on n'est pas obligé d'avoir une syntaxe parfaite. Il faut savoir que Midjourney, comme toutes les IA, utilise une notion de token. Un token très simplement et 4 caractères qui se lient. Et l'IA va vraiment interpréter vos prompts par série de tokens de 4 caractères. Ce qui est intéressant, c'est que ça laisse place à ce qu'on appelle le chant des oiseaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer plusieurs morceaux de mots qui veulent dire des choses similaires dans des langues différentes pour à la fin avoir quand même un résultat assez sympathique. Bref, petite digression, le temps que il est fini ça, et on voit très bien que le chat blanc est totalement différent de ce qu'on avait créé au tout début, et là il a vraiment repris le style de l'image qu'on avait en référence, qui était celle-ci. Donc voilà les 4 résultats que ça a donné en impulsant un style d'image. Allez, retour sur la page principale de Midjourney. On va aller se pencher cette fois dans Personalize, Nous revoilà sur la page principale de Midjourney. On va aller s'intéresser maintenant à des options un peu plus poussées qui ne seront par contre accessibles qu'aux personnes disposant alors soit d'un plan payant à l'année, soit qui sont abonnées depuis plus de 12 mois à Midjourney. Donc dans la partie Create, quand vous allez par exemple, allez, on va prendre cette petite cute monster fraise, d'accord ? Donc qui est possible de l'ouvrir dans l'éditeur, et dans l'éditeur, une fois que vous êtes là, donc par exemple pour modifier l'image et ajouter des éléments, il y a aussi Open in Full Editor. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Midjourney, du coup, qui permet de faire certaines choses un peu plus poussées, et donc notamment la partie retexture. Donc là, dans la partie retexture, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir recolorier intégralement une image et éventuellement en changer le grain, l'aspect et le matériau un petit peu ressenti sur le design. Donc par exemple, je veux une photo réaliste d'une mignonne petite fraise monstre, et là, la variation, ça va être qu'on la veut en porcelaine, par exemple. Et l'IA va nous générer. Retour sur la page principale, on va aller maintenant s'intéresser aux fonctionnalités vraiment très très avancées de Midjourney, donc notamment qui n'est pas accessible à tout le monde puisqu'il faut disposer soit d'un plan payant à l'année, soit être abonné depuis plus d'un an pour pouvoir y accéder. Mais je vais vous le montrer quand même puisque bientôt ça sera démocratisé pour tous les comptes. Donc on va dans Create, on va aller sélectionner une image qui nous a plu, donc par exemple cette petite fraise monstre qui est très très mignonne, que j'adore, et je vais l'ouvrir dans l'éditeur. Donc dans l'éditeur, on va également pouvoir l'ouvrir dans Open in Full Editor. Cette option qui est maintenant accessible. Et on va pouvoir donc là-haut aller disposer de l'outil Retexture. Une dernière mise à jour de Midjourney. Retexture permet de modifier l'aspect général d'une image en réimpulsant un prompt et un style, on va dire, dedans. Donc je vais vous montrer très concrètement, par exemple, cette petite mignonne fraise monstre, on va la transformer en porcelaine. Je l'envoie le prompt et je vous montre le résultat dans quelques secondes. Voilà, nous sommes 10 secondes dans le futur. Du coup, on a les résultats qui sont apparus et 4 résultats donc de cette petite fraise qui est maintenant une petite fraise en porcelaine. Donc il va falloir juste définir, souvent la première est toujours la meilleure. Voilà. Il va falloir définir ce qu'on veut. Celle-là, elle est très très jolie. Et donc on va pouvoir aller... plus tard les résultats justement de notre petite fraise qui a été modifiée en porcelaine. Donc voici un des résultats.
Ils sont au nombre de 4. Ok. Mon résultat préféré est définitivement le premier, du coup. Okay. Et donc, je peux tous les voir. Vous allez pouvoir ici retrouver les photos que vous allez faire. Toutes les variations d'images. Donc, par exemple, j'ai eu aussi la possibilité de travailler un petit peu ce chat. Voilà, c'était une image un peu plus simple. Et en retexture, j'ai demandé à ce qu'il apparaisse sous forme de nuage. Donc, ça a donné ça. Et je trouve ça plutôt stylé. Voilà, vous savez tout. C'est à vous de jouer maintenant. Merci d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aux amis qui aimeraient devenir aussi des créatifs en herbe. Vous pouvez poser des questions aussi dans les commentaires. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous et éventuellement à faire d'autres vidéos pour des utilisations aussi toujours plus avancées et des créations toujours plus belles et toujours plus satisfaisantes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.